L'humoriste et acteur Issa Doumbia a révélé une anecdote incroyable sur le tournage du film Beurre sur la ville avec Boudère au micro de Cartman sur Fun Radio. Issa Doumbia est actuellement en pleine tournée médiatique pour la sortie du premier tome de sa bande dessinée Le Petit Issa paru aux éditions Ken le mercredi 23 novembre. L'humoriste qui a récemment dévoilé sur son compte Instagram sa transformation physique depuis son travail avec le coach sportif Yannisport, a fait une révélation incroyable mais vraie dans l'émission chez Cartman sur Fun Radio à propos du tournage du film Beurre sur la ville réalisé par Jamel Bensalah. Je n'irai pas avec Boudère. Lors d'un concept avec qui tu ne ferais pas ? Pendant l'émission du mardi 29 novembre sur Fun Radio, Cartman a demandé à Issa Doumbia, avec qui tu n'irais surtout pas faire un braquage? L'humoriste a tout de suite pensé à son ami Boudère, dans les célébrités, je n'irai pas avec Boudère. Parce que physiquement, on nous cramerait tous les deux a-t-il dit en rigolant. Et c'est à ce moment-là que l'humoriste s'est souvenu d'une anecdote de tournage extrêmement surprenante, ils ont assisté à un braquage ensemble. En effet, Issa Doumbia a raconté cette expérience invraisemblable, d'ailleurs, c'est un truc de fou, mais c'est vrai. Boudère et moi, on a assisté à un vrai braquage, je te jure. Pendant notre film Beurre sur la ville a-t-il expliqué. Avant de continuer, pendant le tournage, on est habillé en flic, il y a un braquage qui se passe juste à côté dans une banque et les mecs partent avec l'argent. On a flippé nous. Et l'anecdote ne se termine pas là, puisque les deux comédiens se sont retrouvés nez à nez avec les braqueurs, une expérience des plus effrayantes pour eux, mais pas pour les spectateurs qui ont mal interprété la scène. Nous, on arrive juste à la sortie du truc et les mecs se barrent. Et les gens pensent que c'est une séquence du film, les gens dans la rue applaudissent. A raconté l'humoriste. Je te jure que ça s'est vraiment passé, et on a flippé nous. On s'est dit, t'imagines, les gars ils se disent qu'on est des flics et ils se mettent à nous tirer dessus? Ça aurait été chaud. Une chose est certaine, Issa Doumbia et Boudère ne sont pas prêts d'oublier ce tournage de sitôt. À lire aussi passer du 7XL au XL, c'est une satisfaction de malade, Issa Doumbia se confie sur son impressionnante transformation physique.